Vous savez, j'étais là, si je regardais le programme de la réunion, comment ça se passait, il y a du chat, il y a qui témoigne, il y a qui font des expériences avec lui. Mais tout est possible dans lui. Vous pouvez me dire ça si vraiment votre cœur, si vraiment votre vie est de consacrer à Dieu, on va faire des espoirs. Je lui dis ça, je ne sais pas pourquoi je dis ça. On ne peut pas avoir une vie chrétienne dans l'église. Il faut être ici, excusez-moi, je vois qu'il y a des anciens, des anciens, avec des gens qui vivent à la cathédrale. Ça fait une journée de fois avec les gens. Elle va avec. Comment ça ? Excusez-moi des mots, je suis ce qu'il y a dans mon cœur. En fait, je fais ce qu'on veut. Et quand on passe à la pépite, vous savez, on dit fasse ce qu'on veut. Parce qu'avant de regarder les autres, on se regarde à nous. Hein. Moi, je ne peux pas vous dire ça si moi, ma femme ne le fait pas. Non. Ou si moi, je ne vis pas. Mais à l'homme, c'est impossible de marcher avec Dieu. À la femme, c'est impossible de mettre rien dans Dieu. Impossible. Oui, mais impossible si tu marches de poids d'elle. Si tu marches avec ton apparence à toi. Et si tu viens à lui, il dit que tout est possible à celui qui est. Amen. Alors je vais pas avoir un message, je n'ai pas de l'ordre, je sais qu'ici il faut finir un peu bonheur, je sais que c'est un peu carré. Je suis obligé de dire ce que Dieu met dans mon cœur. Vous savez, quand le frère est venu dans les Caraïbes, vous savez, j'aime pas lancer des gens. Ah, prêcher bien, c'est pas ça. Un frère a besoin de la grâce de Dieu, mais il a dit le mot parce qu'il connaissait personne, c'est bien moi qui connais personne. Le message va passer. Parce qu'après on discutait lors des frères dehors, chacun se conforte une réunion, parce que le message est précieux, parce que le message est annoncé, à chaque fois dehors, il y a toujours des voix qui parlent, on ici la vie, et Dieu parle tout le temps. Ça parle du tout là, c'est pas. C'est nous être attentifs. Alors je vois qu'il y a des enfants, ils ont bougé un petit peu, faites pas attention, on a l'habitude aussi. Qu'il y a encore plus là-bas. Et vous regardez-moi. Je vais pas donner 10 minutes. Et on va laisser faire le Seigneur. Je vais demander à la Seigneur. Et l'autre chez vous, regardez, vous allez voir ce qu'il dit la Bible, ça ne parle pas. Tu viens de la Bible. Amen. Alors je ne sais pas de quelle manière tu es venu à la réunion. Je ne sais pas dans quel état tu as rentré dans la réunion. Nous, nous regardons l'apparence. Nous, nous regardons tout le monde est beau, tout le monde va bien. Mais Dieu regarde au cœur. Amen. Et moi, le cœur de quelqu'un, je ne le connais pas. Moi, je suis en train de pécher et vous, vous ne connaissez pas mon cœur. L'ancien est ici, je ne connais pas son cœur. Je sais que c'est l'homme de Dieu, celui qui marche avec Dieu. J'ai entendu parler, fumer. Le cœur, je ne le connais pas. Et chacun de nous ne se connaît pas, même son. Mes enfants, ma femme, tu peux te dire avec eux. Je ne connais pas son cœur. Mais le prince de la paix, lui qui a tout pouvoir, lui qui passe de partout, connaît ton cœur. Amen. Et ce soir, je vais te dire ça. Je ne sais pas de quelle manière tu es venu, tu es rentré, tu es assis. Mais ton cœur est en train de souffrir. Et vous savez, lorsque ton cœur souffre, à un moment, on ne peut pas combattre. On peut passer pour être bien pendant les temps. Mais ça nous fatigue. Et j'aimerais vous dire ça que le diable, on n'a pas peur de le dire, on n'est pas l'ennemi. Non, le diable, il est là pour détruire. Il est là pour tout casser. Il est là pour mettre des mauvaises pensées. Il est là pour te dire des pensées qui viennent vers nous. Ça n'existe pas, ça. Lui,
pas vouloir qu'on la prenne plus. Tu peux suivre à 14 ans, c'est à 18 ans, c'est à 30 ans. Il y a pas de moment, quand il y a des fois, il y a des petits fiancés. Je sais pas pourquoi je dis ça, on doit faire rejoindre les cellules que j'ai perdu. On fait la figure, ok? Ils sont fous, non, les gens? Ils voudraient me prendre ma fille qui a 14 ans! Ta fille a mis la mienne, il tient là pour 14 ans. Et depuis un moment, on n'en va pas. Moi, j'ai ma nièce et j'ai ma nièce, moi. J'ai ma soeur. J'ai dit. Et ta fille, il a 12 ans, tu la tiens pour 12 ans. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des catastrophes, excusez-moi les mots. À 14 ans, ils sont partis, ils sont mariés. Mais parce que ça ne marche pas. Tu n'es pas comme ça. Dieu, il faut qu'il y ait quelque chose. Regarde au profondeur des cœurs. C'est le besoin que tu as. Il est capable de le réparer. Amen, amen. Il est capable d'enlever la boisse que tu as dans ton cœur. Il est capable d'enlever le désir qu'il y a dans ton cœur. Il est capable de tout faire. Mais il faut le laisser faire. Écoutez, la Bible dit ça, c'est dans Jean 4, au verset 49. J'avais deux messages. Et je parlais avec une fois dans la voiture, j'ai dit que le départ commençait à se dérouler. Je me laisse guider par Dieu. Gloire à Dieu. Le cantique que nous avons parlé, nous avons une expérience. Écoutez ce qu'il dit dans Jean 4, verset 49. Vous l'avez écouté près de demain, demain, tenez froid. Il dit que c'est l'officier romain. Écoutez, il dit, une officier romain lui dit, il parle à Jésus, écoutez-moi. Il dit, Seigneur, descends avant que mon petit-fils ne meure. Écoutez, je ne sais pas. J'ai réalisé un petit moment. Et je disais, moi, si j'entends parler de Jésus, et que j'ai mon fils qui est en train de mourir, excusez-moi des mots que je vais employer, je ne me déplace pas, je ne vais pas voir Jésus, je ne vais pas voir Père du Père. Je reste à côté de mon fils. Parce que j'ai mon fils qui part. Je vais avec lui, je discute avec lui. Je vais parler avec lui. Je lui dis quelques mots. Je vais parler avec lui. Il y a rien qui m'intéresse. Pour moi, tout est assez de tout est fini. Mais il a fait quelque chose de bon. Il n'a pas regardé dans sa monde, ça passe à lui. Il a regardé la main par lui parler de Jésus. Comme toi ce soir, il y a combien de réunions que tu fais? Il y a combien de réunions que tu rentres? Il y a combien de fois que tu parles de Dieu? Mais lui n'a pas juste écouté. Il a mis sa foi. Et lui, je vais voir Jésus. Et lorsqu'il va arriver vers Jésus, il va lui poser deux mots. Écoutez, j'avais vous dire ça. Dieu sait de quoi on a besoin. On n'a pas besoin de faire une grande prière parce qu'il connaît tout. Il y a un mot de lui qui change. Il va dire, Seigneur, descends avant que mon fils meure. Je lui ai pas attendu le temps. Il va y aller comme ça. Et je vois, ton fils vit. Écoutez, je passe sept quand même. Tu verras la réunion. Tu es en train d'écouter la parole de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que ta foi doit aller dans la pratique? Est-ce que tu vas dire oui, Seigneur? Tu es capable de changer ma situation? Tu es capable de venir au moins où je suis? Alors j'ai mis quelque chose dans tes grammes. En train de faire la vie, mais cet homme ne va pas dans ton cœur ce que tu as besoin. Mais cet homme, il dit qu'il crut à la parole de Jésus. Oh, Dieu. Alors il s'est déplacé. Il n'a pas qu'à faire rien. Il s'est déplacé. Il a été jusqu'à Jésus. Et il a posé la question à Jésus. Jésus, il a répondu. Il lui a dit, il a fallu qu'il croit. Le miracle, écoutez, se fait une seconde. Mais il faut être correct. Amen. Il ne faut pas la parole comme il vient. Ça ne suffit pas de venir à la réunion. S'assurer, écouter et ressentir comme tu es. J'ai une question à poser. Je vous la pose dans mon cœur. Avec tout mon cœur. Qui c'est qui est chrétien et chrétien? Amen. Levez votre main, celui qui est chrétien et chrétien. Alors je vais vous dire un mot. Chrétien, tout le monde est chrétien. Mais qui c'est qui marche vraiment avec Dieu? Alléluia. Qui c'est qui fait la volonté de Dieu? Amen. Qui c'est qui l'a délaissé? Qui c'est qui s'appuie sur Dieu? Qui c'est qui te plaît à Dieu? On dit que c'est plus compliqué maintenant. Parce que lorsqu'on dit à quelqu'un, tu es chrétien, oui, je suis chrétien.
cœur. Quand il y a quelqu'un à côté de lui et qui le connaît, il a honte de parler. Il a honte de parler. J'ai fait des expériences avec ça. J'ai vu des copains qui ne marchent pas trop avec Dieu. Et lorsqu'on avait fait une mission, on allait à la réunion pour essayer de les aider. Et lorsqu'ils venaient, les copains qui ont passé, ils étaient pas bien. Ils vivaient pas pleinement la vie de Dieu. On ne peut pas s'amuser sur qu'ils parlent pas la vie de Dieu. Il n'y a rien qui va réussir. Il n'y a pas de mélange à Dieu. Ce n'est pas comme tu veux toi, c'est comme il veut lui. Alléluia. On ne vit pas comme on veut, on vit comme il veut. On le sait qu'on n'est pas parfait. On le sait combien de choses on va faire. On le sait qu'on a besoin de lui. Mais avec lui, tout est possible. Amen. Et Jean 14, verset 1, verset 5. Il dit, Jésus leur dit, moi. Il ne parle pas de moi. Il dit, moi, celui qui a tout créé. Il dit, je suis le chemin. Il dit, la vérité et la vie. Amen. Dieu ne te trompera pas. Dieu ne te fera pas un piège, lui. Lui veut t'enlever des pièges de l'ennemi. Oh, Dieu. Il veut t'attirer à lui. Il veut que tu sois cette lumière autour de lui. Le petit jeune qui a une expérience, là, un homme de 50 ans. Mais pourquoi il a dit ça? Parce que les gens me regardent, croyez-moi. Croyez-moi, les serviteurs de Dieu, ils vivent des gens. Et croyez-moi, excusez-moi des mots, ils n'ont pas la langue à la poche. Lorsqu'un serviteur lui a fait quelque chose, il le remet au-dessus de la table. Un serviteur, un étudiant, un candidat, un chrétien. Si on n'a pas la vie de Dieu, les gens parlent de nous. Il faut vivre la vie de Dieu. Amen. Des fois, comme on fait, les anciens, ça fait 30 ans qu'ils vivent avec Dieu. Ils font des fautes, ça arrive. Mais ne faites pas une faute comme un disciple. Dieu pardonne. Non, Dieu ne pardonne pas. Tu vis selon comme tu veux, tu fais la réunion, pardon Seigneur, tu ressortais pareil. Je ne pense pas que Dieu est d'accord avec ça. Mon cousin me disait ça un jour. Je lui parlais de lui, je lui disais ça avec tout mon cœur. Je lui disais avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'il y a, j'ai dit Jésus revient. Il m'a dit ça. Il dit pas quoi, il dit ça fait plus de 2000 ans qu'il dit qu'il revient. Il dit c'est long. Je lui dis c'est vrai. Mais je lui dis toi, est-ce que tu es sûr de même d'être là? On ne sait pas qui va devenir à nous. C'est vrai. Aujourd'hui, là, demain, on est plus là. C'était pareil avec Dieu. Où tu passes par l'éternité. Quand j'étais dans la famille, j'ai ma tante, elle a 67, 77 ans. Mais je dis, on rencontrera Dieu. Je dis, marche avec Dieu. Le retour de Dieu est proche. C'est pas pour un jour qu'il nous dit. Écoutez, la vie de Dieu, c'est pas pour une semaine. C'est pas pour un mois. C'est pas des vacances. La vie de Dieu, c'est pour l'éternité, lui. Amen. Il dit, les amants de tous. Il dit, tout le temps, fatigué, chargé. Il dit, moi, je vous donne le repos. Amen. Mais c'est le vrai repos de Jésus. Il n'y a pas de repos dans le monde. J'ai connu le monde. Écoutez, j'ai été de partout. J'ai vu tout ce qu'il y avait dans le monde. J'ai fumé, excusez-moi les mots. Je me suis drogué. J'avais de l'argent, j'avais plus d'argent. J'allais de partout. Le diable m'a enchaîné. J'étais enchaîné dans mon péché. Lorsque je rentrais chez moi, je ne voulais pas avancer mes enfants. Parce que je savais que ce n'était pas bon ce que je faisais. Mais je ne pouvais pas m'en délivrer, moi. Je ne pouvais pas m'en sortir tout seul. Mais lorsque j'ai invoqué Jésus, alléluia. Lorsque j'ai crié à lui, lorsqu'il m'a dit quand t'as mal au cul, il est allé dans toi, il est vrai. Et ce soir, il veut te délivrer. Il veut te remettre la paix, il veut te remettre la foi. Il veut dire que tu sois une lumière. Il veut dire que tu marches avec lui. À travers toi, tu peux se faire anéantir. Amen. Parce que c'est toi, lorsque son fils est réveillé, et que toute sa famille est sauvée. Est-ce que tu ne voulais pas être sauvé? Alors, écoutez, j'ai dit, j'étais pas mort. J'avais encore des choses à dire. Mais j'avais la vérité, j'avais laissé le temps pour réaliser ce que Dieu veut de vous. Alors je lui ai dit, mon frère, tu sens que tu es bien. Mais j'avais les consacrés, j'avais les compris, Seigneur, et j'avais que tu parles avec Jésus maintenant. J'avais vu que tu te reconcilies avec lui. J'avais vu que tu te respectes.
capable de le faire ce soir. Crois-tu que Jésus peut faire ça? Alléluia. Crois-tu que Jésus peut faire à toi-même? C'est le sauveur. Crois-tu que Jésus peut te délivrer? Crois-tu que Jésus peut venir t'aider? Alors, on écoute le cantique. Je vais pouvoir se laisser guider par deux minutes. Oui. Rendez la gloire. Rendez la gloire.
Pâques, mon Jésus.